Manibela, Manibela, Manibela. Quand la médiocrité rencontre la paresse, ça ne peut que donner ça. Dagobert. Mes chers amis, l'heure est grave. La dame dont je vous mets l'image là à l'écran, en fait, s'appelle Manibela. C'est une Camerounaise et elle est censée être artiste internationale comme elle a souvent à le clamer haut et fort. En fait, les amis, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que cette dame, donc qu'on appelle Manibela, a sorti récemment, il y a quelques jours, un nouveau single intitulé Dagobert. Alors, je ne vous apprends rien, je ne vais pas aller de midi à 14h pour vous expliquer que Dagobert, c'est tout simplement donc dans le plantain. Honnêtement, je pense que toute l'Afrique sait ce qui veut dire Dagobert. Donc en gros, sa chanson en fait tourne autour de Dagobert. Elle nous dit combien de fois le Dagobert est sucré à elle, combien de fois elle connaît piloter le Dagobert, combien de fois elle l'aime quand c'est long, large, épais. Anyway, sincèrement, la chanson, vous l'avez certainement déjà écoutée. En fait, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que c'est une chanson qui m'a beaucoup étonnée. Sincèrement, j'étais vraiment choquée. Et c'est la raison pour laquelle je décide d'en parler. Parce que sincèrement, les amis, les gens ont souvent pour habitude de dire que plus tu grandis, plus tu prends en sagesse. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse avec nos artistes camerounais. Et plus précisément, Manibela, j'ai l'impression que plus elle prend en âge, moins elle prend en sagesse. Et c'est vraiment dommage en fait de nous proposer ce genre de titre qui est tout simplement le fruit de la médiocrité et de la paresse tout simplement. Avant de continuer les amis, sachez que ma perruque m'a été envoyée par Melissa Sanchez News. C'est la perruque que je porte actuellement. Elle est hyper belle, elle est bouclée, elle est très longue. Je vous mets son WhatsApp là à l'écran. Elle a différentes perruques. N'hésitez pas à la contacter. Elle est en Belgique, mais elle livre partout dans le monde. Je voulais également vous dire les amis que j'ai une très belle nouvelle pour vous puisque moi et Ben Beauty, la référence de la beauté, a enfin ouvert une boutique à Douala. Et la boutique en question est située à Douala Akwa, à côté du bureau des transports, en face de l'atelier du vin. Honnêtement, les amis, pour ceux qui avaient des problèmes pour commander en ligne et tout, si vous êtes à Douala, n'hésitez pas à vous rendre directement dans la boutique. Elle a énormément de gammes. Moi, la gamme que j'utilise, c'est la gamme Hydro Booster. C'est une gamme 100% naturelle qui vient tout simplement embellir votre peau sans la décaper, sans la dénaturer. Jamais. On vient seulement entretenir. Parce que vous me connaissez, Marie-Bibi. Je ne peux pas vous vendre un truc, voilà, qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Donc moi, Eben Beauty, les produits pour la beauté africaine, sublimez votre teint avec moi, Eben. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que vu que c'est l'ouverture, vous avez actuellement moins 10% sur tous les produits qui sont vendus. Donc quand vous arrivez à la boutique Moi et Ben Beauty à Douala, comme je vous ai dit, qui est située à Akwa, à côté du bureau des transports, en face de l'atelier du vin, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Marie Bibi et tout simplement vous aurez une réduction de moins 10% sur les articles en fait. Foncez, sincèrement, pour ceux qui veulent avoir la même gamme que moi j'utilise, moi j'utilise la gamme Hydro Booster que je vous montre ici matin, midi, soir. C'est une gamme complète, complète. Avec des produits 100% naturels, vous allez voir vous-même après 2 semaines d'utilisation, vous verrez. Sincèrement, les amis. Et pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez toujours commander via le site internet en fait qui est www.moiebenbeauty.com. Et vous avez également le code 1112 qui vous offre également les moins 10% sur votre commande. Je vous mets le site internet là, je vous mets également les différents numéros là, n'hésitez pas. D'accord. Donc, les amis, pour revenir donc à notre chère et madame Manibela, moi, sincèrement, j'ai envie de dire. C'est vous les artistes en fait qui vous plaignez que au Cameroun, au 237, on ne vous prend pas au sérieux, dans le sens où à chaque événement, on est obligé, voilà, de recourir à d'autres artistes d'autres pays pour venir animer des événements camerounais. L'autre jour, ta consoeur qu'on appelle Lady Ponce a crié son ras-le-bol parce que on n'avait pas choisi les artistes camerounais, on a choisi Fally Ipupa. Toi-même, Manibela, quand ton portefeuille musical est constitué uniquement des chansons à titre sexuel, comme tout ce qui est Palapala, Dagobert, tu veux que quelle entreprise sérieuse, j'ai bien dit sérieuse, hein, il n'a pas dit les animations du bar, quelle entreprise sérieuse va t'inviter? Donc tu penses sincèrement qu'en chantant des bêtises pareilles, quand elle va se lever un jour, mettre ta face ou ton image en tête d'affiche disant que voilà, Manibela va venir animer mon concert? Non mais soyons sérieux. Soyons un tout petit peu sérieux. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que c'est généralement des jeunes, hein, qui sont censés chanter des médiocrités pareilles. Mais ça m'étonne en fait de voir des mamans, oui, parce que Manibela, c'est une maman. C'est une maman. Des mamans de 30, 40 ans, 50 ans, en fait, venir chanter les médiocrités, en fait. Hein? Que le Dagobé, il n'y a que ça qui est au pays. Avec tous les mots qui minent la société camerounaise, tu ne peux pas chanter, par exemple, pour les routes.
Chaque jour, on parlait d'accident de la route. En fait, tu parles de la vie, que les routes, tu. Je sais pas moi. Tu cherches une mélodie qui va être vraiment partagée. Mais que Dagobert, j'aime quand c'est long, j'aime quand c'est ceci. Tu n'as pas honte. Et ce qui me fait mal, les amis, c'est que les enfants de la maternelle connaissent alors souvent retenir les bêtises comme ça, hein. Et vous savez, les amis, ça se voit qu'elle-même, elle n'est pas fière de ce projet. Hein? Parce que depuis quand un artiste en fait sort une musique et puis elle fait les avant-premières sur WhatsApp, ne que oh, contactez le numéro aussi pour avoir l'audio sur WhatsApp. C'est la honte! C'est la honte en fait, tant que tu n'es pas convaincu en fait de ton chef-d'œuvre. Sincèrement quoi. Sincèrement. Et que tout ce qu'on entend le Cameroun, c'est Mbrakata. Vous n'avez pas remarqué? La dernière fois, je vous ai parlé en disant qu'on n'a que les artistes Mbrakata ou 237, à part les légendes que voilà, vous connaissez là. Les routes Mbrakata. Gouvernement Mbrakata, les artistes Mbrakata, même la population commence à être Mbrakata, les élèves, alors n'en parlons plus. Si déjà un adulte comme Mani Bella, qui mimba souvent les conscientiseuses sur Facebook, vous la voyez en train de souvent faire les longs textes, car il y a souvent deux problèmes entre deux personnes. Non, ce n'est pas bon, ne faites pas ceci, les longs textes. Là, voilà qui part sortir une chanson qui parle entièrement du sexe masculin. C'est-à-dire que vous êtes vraiment né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. Mais si l'inspiration est finie, maman, c'est obligé de chanter. Deviens blogueuse. Comme je t'ai dit, deviens blogueuse. Tu poses ta caméra, tu fais le Congo, ça, tu auras ton argent. Ce n'est pas obligé. Avec ce genre de bêtises, avec ce genre d'imbécilité que vous nous pondez comme musique, alors je ne sais même pas s'il n'est pas appelé ça musique. Hein? Après, vous allez crier que non, on n'a pas les droits d'auteur. Droits d'auteur sur quoi? Sur les bêtises pareilles? Sur les bêtises pareilles? Sincèrement, quoi. Avec deux fois même, tu as envie de défendre les artistes de ton pays face au fait que on invite d'autres artistes. Mais après, je te demande encore, il y a même quel vrai artiste dans ce pays? Si c'était encore un jeune qui avait chanté les bêtises comme ça, il pouvait comprendre. Mais il met. Quand ce n'est pas que oh, pour le Kyo, pour le Kyo, si ce n'est pas le Kyo, ça va être le Mbangala, le Dagobert, oh Jessica, vous êtes fort pour exceller dans les trucs bêtes comme ça. Quand je pense que la musique peut être utilisée comme un puissant instrument, en fait, pour transmettre un message, pour transmettre les valeurs, pour dénoncer même, je dirais. Vous ne pouvez pas mettre, voilà, votre voix à bon escient pour justement dénoncer, transmettre des messages positifs. Et même si vous n'avez aucun message à passer, contentez-vous de nous divertir sans pour autant pervertir nos enfants. D'accord? Contentez-vous de divertir les gens sans pour autant pervertir nos enfants. Parce que vos chansons à deux balles là, c'est les chansons généralement qu'on va mettre dans les bars. Parce que je ne vois pas une chanson comme Dagobert là en train de circuler dans un endroit respectueux, responsable. Donc ça va passer où? Dans les bars, les boîtes de nuit. Et on sait qu'au Cameroun, les bars sont versés partout, partout. Tu marches en route, tu n'as même pas envie d'écouter une merde pareille, mais tu es obligé d'écouter parce que les bars sont partout. Et nos enfants vont écouter ça de gré ou de force à longueur de journée. Ça, c'est tout simplement pervertir la jeunesse en fait. Hush. En fait, les amis, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que Dieu merci pour l'instant, ça n'inonde pas la toile. Je n'ai pas vu trop de challenges sur TikTok, sur ça. En fait, tu sais pas, c'est comme si les gens l'ont vraiment déposé dans son couloir, en fait, quoi. Non, Mani Bella, tu as zaillé. Depuis que je connais la femme, si, je dis qu'elle n'a jamais sorti une chanson sérieuse, et à part ce qu'elle a sorti avec, comment on appelle ça, Happily Fulan, là. La dernière fois, elle est partie en Côte d'Ivoire faire un feature avec Aputu National. C'est passé crème comme ça sous l'eau, ni vu, ni entendu parler. Hein? Ça a eu combien de vues sur YouTube? Rien, c'est passé sous l'eau. Maintenant, il faut attirer l'attention. Or, on sait qu'attirer l'attention au pays, c'est directement parler de la sauvagerie. Tu ne peux pas travailler ton talent, ma mère. Tu ne peux pas chanter comme Charlotte Dipanda. Pas forcément chanter comme elle, mais quand même parler des choses conscientes. Une mère comme toi, Mani Bella. Et ne venez pas me dire que oui, je manque de respect, quoi, quoi, quoi. Ne me tentez même pas, hein. Elle-même, elle ne se respecte pas. Donc, allez très doucement en brousse avec ça. D'accord? J'ai tellement honte. J'ai honte, en fait, des artistes du 237. J'ai honte. J'ai honte. Maman, je dis que les bons artistes au Cameroun, on les compte comme ça du bout des doigts, les amis. Du bout des doigts. On est souvent obligé d'aller chercher ailleurs. D'aller chercher ailleurs, en fait. Il est malé. En fait, ce qui me fait rire, c'est que même côté vocalise, c'est-à-dire la voix même, enlevant même le. La voix là, c'est médiocre. Tu ajoutes en quoi à cette médiocrité de la voix, les paroles médiocres. Tu ajoutes en quoi à ces paroles médiocres un clip médiocre. Yesh. Vous faites même souvent comment, non? Vous faites souvent comment pour vous lever comme ça là, dire que oui, je vais sortir cette chanson en fait. La honte est passée où? Moi, si j'étais une artiste, je ne peux même pas. C'est que même pour ma propre image.
Même c'est salissant pour toi, Manibela. Ma mère, sache que si tu avais un peu de la contenance, en fait, cette chanson-là est venue tout balayer. Ça t'a diminué, en fait. Ça t'a diminué. Quand on va écouter la chanson, on va dire, qui a même chanté ça? On va dire, c'est Manibela, la mère, là. Quand on écoute la chanson des jeunes, là, pour le cure, qui a chanté ça? C'est les jeunes. Ça peut passer parce que les jeunes manquent de sagesse. Mais une mère, hé, maman, dont l'histoire est vraie, que plus on prend de l'âge, plus on diminue en sagesse et en maturité. Et ouais, le pays, si j'ai l'impression que, sincèrement, le Cameroun, sinon, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Il n'y a aucun domaine, voilà, où tout se passe bien. Dans le pays, ici. Artiste Mbrakata, comme je l'ai dit. Dans les écoles, oh, Mbrakata. Les étudiants, tout, il n'y a rien qui va. Rien. Rien. Je dis que ces personnes-là, elles sont seulement fortes pour faire la promotion du Jiansan et l'agitation sur les réseaux sociaux fatiguées. Maintenant, aller au studio chanter, ça les dépasse. En tout cas, les amis, pardon, oh, je ne vais pas spéculer pendant longtemps. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous voulez, oh, insultez-moi, oh, dites qu'il manque de respect, oh, c'est votre macabo là-bas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, cette chanson de Manibela, c'est de la médiocrité mélangée à la paresse, en fait. Il n'y a pas plus d'explication que ça. D'accord? Arrêtez, s'il vous plaît, de pervertir nos enfants, notre jeunesse. Trop, c'est trop. Le Cameroun est à gâter comme ça. Ne venez pas ajouter pour vous. Vous pouvez utiliser votre voix pour dénoncer certaines choses. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Gardez vos péchés. C'est là. Je sais, juste que le pays, c'est la magie. Hein. C'est la magie. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi, la sublime Marie Bibi, pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de mon intervention? Qu'est-ce que vous en pensez de la médiocrité de cette chanson de Dagobert, de Manibela? Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous rendre à la boutique Moi et Ben Beauty à quoi. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le numéro. Contactez-les. Voilà. Et allez-y tout simplement choper, quoi. Donc, sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!